Bonjour, je suis Brice Roy, je suis directeur pédagogique à l'ICANE. Je m'occupe de la filière Game Design. Le master Game Design peut être suivi à la suite du bachelor Game Design de l'ICANE ou après obtenu un diplôme Bac plus 3 validé. La formation, elle est essentiellement concentrée sur trois pôles: la conception de jeux de société numérique, la réalisation de jeux vidéo en utilisant le Unreal Engine, et la réalisation d'expériences en réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est une formation en alternance, et ça veut dire que l'étudiant passe une partie de son temps à l'ICANE pour suivre les cours, mais il est aussi en entreprise. Donc c'est une formation qui est très professionnalisante. Au terme des 2 ans, vous aurez non seulement acquis des compétences avec des professionnels et des experts reconnus dans l'industrie, mais aussi acquis une expérience en studio qui vous permettra de vous insérer plus facilement sur le marché du travail. Ce cursus permet l'obtention d'un diplôme de niveau 7 reconnu par l'État. Le master Game Design permet de se positionner sur des postes tels que Lead Game Designer, Game Designer, Technical Game Designer, également dans le champ de la narration, donc Narrative Designer, Lead Narrative Designer, et puis tout ce qui va concerner l'ergonomie. Et le UX appliqué au game design.